M'a fait un camarade de la télévision nationale, Aboubacar Diallo de la radio Espace FM, Salou Samba de l'agence Reuters et moi-même Aboubacar, camarade de la télévision nationale. Monsieur le Président, comme pour marquer sa renaissance, la Guinée a magnifié avec éclat sa fierté et son attachement à son histoire. Du stade du 28 septembre ici à Conakry, au stade du 3 avril à Zérékouré, en passant par le stade de Saifoulay Diallo à l'Abbé, les places de martyrs à Kankan, Kindia, Kisdougou, Mamoun, partout, c'était l'alliance. Monsieur le Président, quel sens vous donnez à cet enthousiasme populaire? D'abord, il ne s'agissait pas pour moi de renaissance. Il s'agissait de faire connaître à la jeunesse guinéenne, africaine, mais aussi française, quelles ont été les conditions de notre indépendance en 1958. Parce que beaucoup de populations aujourd'hui en Afrique, 70% de la population a moins de 40 ans, donc ils ne connaissent pas l'histoire. Il est extrêmement important de connaître l'histoire. Parce que pour connaître aussi l'évolution de la Guinée, il faut connaître aussi, bien sûr, il y a eu beaucoup de péripéties, il y a eu le Camboro, il y a eu Kindia, il y a eu beaucoup de retard, etc. Mais il faut savoir aussi dans quelles conditions handicapantes la Guinée a pris son indépendance. C'est pourquoi je présente. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'était de glorifier le panafricanisme qui était à la base de l'émancipation de l'Afrique pour que ce panafricanisme renaisse. Le troisième, c'était une occasion de encore renforcer la réconciliation avec la France. C'était les trois objectifs que nous avions. La première, évidemment, il fallait que les jeunes Guinéens chassent, que lorsque nous avons... Il y a trois pays qui ont voulu voter non. La Guinée, le Sénégal et le Niger, avec la Sawaba au Niger, le PRA au Sénégal. Les hommes politiques n'ont pas réussi au Sénégal. Bon, à cause des forces religieuses qui ont demandé à voter non, qui avaient beaucoup d'influence. Au Niger, la classe politique s'est divisée. La Sawaba, qui dirigeait le pays, a dit de voter non. Mais les autres partis, comme Amani Diori et Boubou Hama, donc la colonisation s'est appuyée sur ces gens pour renverser la situation. En Guinée, tout le monde parle du président Sékou, c'est vrai, c'était le leader. Mais sans Bari Yaoundou et Bari III, nous n'aurons pas pu certainement avoir de nom. Pourquoi? Parce que le colonisateur avait proposé beaucoup d'argent à Bari Yaoundou et Bari III pour qu'ils appellent à voter oui. Ce qui allait créer des troubles, ils allaient intervenir pour dire qu'il y a des troubles en Guinée, il faut rétablir l'ordre. Donc il fallait donc aussi rétablir la vérité des faits. Parce que l'évolution de la situation a amené un conflit entre le président Sékou Touré et les autres leaders, ce qui fait que cela a masqué le rôle que ces autres leaders ont joué. Il est de mon rôle de dire la vérité à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse africaine. Parce que M. Sékou Touré n'a pas été le seul patriote pour l'indépendance. Bari Diaoundé et Bari III aussi y ont contribué. Mais évidemment, les péripéties de ça ont tout une autre chose. Monsieur le Président, vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir atteint ces trois objectifs-là? Vous savez, la plupart des jeunes que j'ai vus sont nés peut-être 10 ans après la mort du président Sékou Touré. Comment vous pouvez expliquer cet enthousiasme, non seulement à Conakry, mais dans toutes les préfectures de Guinée? Moi, je suis arrivé au stade, j'ai crié sur les responsables, laissez rentrer les gens, pourquoi vous les laissez dehors? J'ai dit, mais président, il n'y a pas de place. Donc il y avait autant de gens dehors que dedans. Ensuite, l'enthousiasme. Les gens sont venus à pied de tous les quartiers. L'opposition a demandé à ses militants de ne pas venir. Mais vous avez vu comment les gens de Bambé et se sont mobilisés à venir à pied, partir à pied. Et à l'Abbé, on a refusé du monde dans les stades. C'est la même chose dans les autres régions. Donc, réellement, ça a montré que la jeunesse guinéenne, au fond, était fière du fait que la Guinée était le seul pays à voter non. C'est pourquoi le mot de Guinée qui revient tout le temps, vous nous avez rendu notre fierté, vous nous avez rendu notre fierté. Et ensuite, les gens se demandaient si vraiment la Guinée avait une armée. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du... Quand vous écoutez les Occidentaux parler du G5, ils vous disent souvent il y a deux armées, la Mauritanie a une armée, le Tchad a une armée. Bon, bien sûr, ça ne fait pas partie du... Mais les gens se demandaient si on a vraiment une armée. Et les gens ont vu. Et beaucoup de chefs d'État m'ont posé la question. Bon, la population ignore même qu'on avait les forces spéciales. Donc aujourd'hui, il y a aussi, depuis 4 ans, l'armée s'est reconnue avec la population. Rappelez-vous, quand j'ai été à la fête de l'indépendance à Zérékouré, il y a eu des événements et les populations étaient réfugiées au camp. Je leur ai demandé publiquement, il y a 2 ans que je suis réfugié, quand je dis jamais. Donc, il y avait déjà l'armée régime républicaine, il y avait déjà communé avec le peuple. Et ce défilé a permis davantage de renforcer la cohésion. Si vous voyez sur les
les réseaux sociaux, toutes les femmes là étaient amoureuses de Doumbouya. Malheureusement pour eux, il est marié. Bon, le troisième, j'ai invité le président Macron, qui ne pouvait pas venir sans Kalanda, qu'il envoie personne au niveau, parce que la réconciliation a commencé début du Giscard, où nos relations avec la France sont très bonnes. Je voulais aussi que cette montre que la page d'avant-hier d'hier est complètement tournée et qu'aujourd'hui la France et la Guinée ont de très excellentes relations. La preuve, nous avons fait notre groupe consultatif à Paris et le ministre de l'économie est venu, il a annoncé 500 millions. La France nous accompagne aujourd'hui dans beaucoup d'autres projets. Donc c'est pour moi, c'est une occasion aussi de tourner définitivement la page de cette histoire qui était un peu sombre. D'accord, vous étiez aussi très vraiment, comme vous l'avez souligné, soucieux de transmettre notre histoire à la jeunesse. Mais en 1958, monsieur le président, permettez-moi, vous-même, vous étiez très jeune, je pense que vous deviez avoir 20 ans. Non, je n'avais pas encore 20 ans, mais ce n'est pas grave. D'accord. Mais j'étais déjà en France. Mais jeune. Il y a un journaliste qui a beaucoup écrit sur vous, qui nous a confié que déjà vous aviez la politique chevillée au corps. Vous vous battiez en ce moment déjà pour quel idéal ? Non, vous savez, c'était très simple. Je suis arrivé en France à Toulouse. Et Toulouse, c'était après Paris, la plus grande section de la Fédération d'étudiants d'Afrique noire en France. C'est à Toulouse que le journal d'étudiants d'Afrique noire était édité. Donc je suis arrivé, mon tuteur Théodore Souma, et c'est notre Kader Fall, était déjà des dirigeants de la FINF. Donc tout simplement, si vous voulez, je me suis retrouvé tout de suite dans la FINF. Ensuite, évidemment, en 58, j'étais au lycée. Et donc, je militais déjà à la FINF. Donc, et dès 57, la FINF avait demandé, l'histoire de la Guinée était connue, dès 57, la FINF avait demandé que mener campagne pour l'indépendance. Mais je me rappelle, quand mes aînés, comme les Afars, se sont venus à Conakry mener campagne, le PDG les a attaqués en leur disant pendant. Ouais. Il y a même quelqu'un qui a demandé à Alpha Sow, bon, vous voulez l'indépendance, est-ce que tu peux fabriquer telle chose? Il a dit, bon, appelez le commandant de cercle, demandez-lui s'il peut fabriquer une aiguille, moi aussi je peux fabriquer ça. C'est-à-dire qu'il fallait, parce que les gens voulaient faire croire qu'on ne peut pas être indépendant parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais le blanc là qui est commandant, est-ce qu'il peut faire? Donc c'est après que le PDG s'est rallié. N'oubliez pas que ce que tu avais dit au début, nous voulons un mariage avec le droit de divorce. C'est-à-dire que nous voulons bien entendre la communauté, mais il faut qu'on ait le droit de sortir. C'était ça le point de départ. Et puis quand vous regardez le discours aujourd'hui, ce n'est pas un discours violent. Il y a eu deux choses. Un, Focal n'a pas montré de discours à De Gaulle. Et deuxièmement, le président était un grand urbain, le PDG était mobilisé. Quand il parlait, l'écho populaire, l'intonation a complètement modifié. Il se trouvait que ces deux hommes très élevés se sont trouvés face à face. Donc le président De Gaulle a pensé aussi que la Guinée n'oserait pas. Il nous a lancé un défi que la Guinée n'oserait pas, parce qu'il pensait évidemment dans sa tête que les menaces qu'ils ont faites allait faire déculer le peuple de Guinée. Donc tout ça, en rappelant tout ça, ça rend la jeunesse guinéenne fière que vraiment, effectivement, n'oubliez pas que deux ans après, tous les pays qui avaient voulu rester dans la communauté sont sortis. Deux ans après, il y a eu flopée d'indépendance partout. Donc les autres ont été obligés, face au mouvement populaire, de demander l'indépendance aussi, parce que tout, n'oubliez pas, et ce qui a été important, vous savez que tous les cadres français sont partis, tout. Le docteur Baïbna Makaba vous avait dit que tous les médecins sont partis, alors que la Guinée avait 9 médecins. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'anciens militants de la FINF, je prends par exemple le cas de Saramsa, qui dirigeait le chemin de fer au Sénégal, il touchait à l'époque 300 000 francs CFA. Il a quitté pour venir en Guinée pour toucher même pas le quart de son salaire. Beaucoup de Kizerbo de Burkina, Moumini, le mathématicien du Niger, Fouti Memel de Côte d'Ivoire, etc. Et beaucoup d'Antillais sont venus. Beaucoup de cadres de la FINF ont abandonné les études en France pour venir suppléer parce qu'il n'y avait plus, de cadres. Donc ça vous montre l'écho qu'a eu l'indépendance de la Guinée, le soutien qu'a eu et comment les Noirs américains se sont sentis réhabilités. Tous sont venus ici, que ce soit Belafonte, que ce soit Canmical, etc. Donc l'indépendance de la Guinée a été un grand tournant, non seulement pour l'Africain, mais pour les Noirs en général. Donc, sans la jeunesse guinéenne connaît ça, elle va savoir que le peuple guinéen a osé. Certains disaient l'indépendance, c'est soit un saut dans l'inconnu. Mais on a osé. Donc, il fallait que la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine sache ça. Mais aussi que la jeunesse française sache que, malgré cela,
Moi, j'ai discuté une fois avec mes amis du Parti Socialiste, ils ont dit, mais Alpha, on avait oublié la Guinée. Donc, pour moi, c'était une occasion aussi d'une décolonisation, c'est-à-dire de montrer au peuple de Guinée qu'aujourd'hui, la France, nous sommes les meilleurs amis. Vous savez, l'Allemagne et la France ont fait trois guerres en un siècle, 1870, 1914, 1940, mais aujourd'hui, c'est les meilleurs amis. Donc, c'est pour montrer qu'on peut avoir des péripéties dans la vie des peuples, mais que ces péripéties peuvent être, que les meilleurs ennemis d'hier peuvent devenir les meilleurs amis. Voilà les différents messages. Malheureusement, comme RFI a tendance systématiquement à noircir la Guinée, ils sont venus pour ne parler que du 28 septembre. Julien Gomez a passé son temps, je ne sais pas, son histoire, comme ça s'appelle, auditeur, je ne sais pas quoi, à parler de ça, etc. Donc, c'est ça qui a fait que je ne peux pas accepter qu'on déforme l'histoire de la Guinée. Donc, et beaucoup voilà. De Guinéens ont partagé cette position. Boubacar Diallo. Ouais, justement, je voulais revenir sur ces célébrations qui ont, il faut le dire, été grandioses, et qui ont eu un caractère et une dimension nationale. Mais il y a eu, vous-même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu la polémique suscitée par l'opposition qui n'a pas voulu s'associer, qui n'a pas voulu appeler ses partisans à venir participer à ces célébrations au stade, à cause du fait que ce stade a été le théâtre d'atrocités en 2009, des atrocités qui ne sont pas encore jugées. Où en êtes-vous avec le procès concernant le 28 septembre, et est-ce que vous avez regretté l'attitude de l'opposition et notamment de votre principal opposant? Vous savez, si vous êtes un bon journaliste, vous devez savoir que la justice est indépendante. Ce que moi j'ai fait, j'ai donné à la justice les moyens, au pool des juges, les moyens pour faire leur travail. Le reste, ça relève de la justice. Il n'y a pas d'ingérence de l'exécutif dans la justice. Maintenant, le 28 septembre ne peut pas être seulement ramené à ce qui s'est passé sous le régime militaire. Le 28 septembre, quand même, symbolise l'indépendance de la Guinée. C'est comme qui vous disait aujourd'hui aux Français, bon, allez, n'allez pas à Vichy, mais tout le monde va aujourd'hui à Vichy, parce que c'est là-bas, il y a beaucoup de stations, etc. Parce que vous allez dire, à Vichy, ça n'allait plus. Mais non. Mais moi, je ne juge pas, chacun est libre, chaque homme politique est libre. Mais ce qui a été montant, le peuple de Guinée a montré à la face du monde son engagement. C'est ça qui est le plus important. Oui, mais sur ce point-là, est-ce que ça vous a aussi donné le sentiment que ce peuple-là s'est réapproprié de ces dates repères, le 25 août, le 14 septembre, le 28 septembre et le 2 octobre? Bon, vous savez, c'est vous les journalistes qui doivent poser cette question à la population et répondre. Ce n'est pas moi, allez, c'est vous, c'est votre rôle. Il ne faut pas renverser le rôle. Chacun doit faire son travail. Maferin. Oui, par rapport à cette célébration grandiose, vous étiez entouré de vos homologues de la sous-région. Et est-ce que ce sentiment n'est pas revenu, être en face des héritiers des panafricanistes? Quand je voyais le président ghanéen, ça nous a fait penser au président Kwame Nkrumah. Vous savez, lorsque j'ai fait l'invitation, j'ai rappelé cela, Ghana, Guinée, Mali. Donc, le premier point de départ de tentative de créer une union, c'est le groupe de Casablanca. Mais en fait, j'aurais pu inviter beaucoup plus de chefs d'État. Mais mon inquiétude, c'est que vous pensez qu'on a beaucoup d'hôtels, mais on n'a pas beaucoup de suites présidentielles. Vous savez, les suites présidentielles pour un hôtel ne sont pas rentables parce qu'ils s'occupent rarement. C'est quand l'État concerne l'hôtel, il peut faire beaucoup de suites présidentielles. Aujourd'hui, je suis très gêné parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont amis, que je n'ai pas invités. Je suis obligé aujourd'hui de présenter des excuses. Parce que sincèrement, heureusement, nous avons eu la chance, l'hôtel Kaloum a ouvert, ce qui nous a permis quand même de pouvoir loger décemment ces différents chefs d'État. Ensuite, il est très important que tous ces chefs d'État ont montré l'esprit panafricaniste, parce que lorsqu'on a commencé à citer le nom des différents leaders, quand il y avait des photos, tous les chefs d'État se sont levés, se sont mis debout jusqu'à la fin, se sont mis debout pour applaudir jusqu'à ce qu'on ait fini des 17 noms. Monsieur le Président, sur ces présidents, avec les présidents qui ont eu le temps de venir là, quelle impression ils vous ont confié? Ben, vous savez, d'abord, je dois reconnaître qu'ils ont été exceptionnels parce que, étant donné, je ne suis pas sûr que l'hôtel Kaloum allait ouvrir, donc c'est au dernier moment que je suis. Donc, c'est jeudi que je leur ai dit vraiment, il faut que vous veniez. Par exemple, le président Idriss Déby, il avait un forum international de deux.
Et il a été obligé de reporter ça au 3. Donc, beaucoup de chefs d'État, plus de la moitié, n'ont été avertis que 4 ou 5 jours avant. Et vous savez que les chefs d'État ont un programme très chargé. Malgré cela, ils sont venus. Ceux qui n'ont pas pu venir parce que les États-Unis ont envoyé leur vice-président, comme la Gambie, par exemple, et la Sierra Leone. L'Algérie a envoyé son numéro 2, le président de l'Assemblée. Le Maroc a envoyé son numéro 2, le président de l'Assemblée. L'Égypte a envoyé son ministre. Donc, je pense que ce qui les a frappés, c'est l'enthousiasme et l'unité populaire. Et dans toute la journée, ceux qui étaient dehors se sont comportés correctement. Il n'y a pas eu un seul cri détonnant ou hostile, que ce soit dehors ou lorsque j'ai fait le tour avec le chef d'état-major. Il n'y a pas eu un seul cri hostile alors pendant cette masse. Donc, c'est ça qui a frappé, c'est cette unité du peuple de Guinée derrière le gouvernement. Ça montre aujourd'hui, évidemment, quand il y a des manifestations, quand l'opposition met 1000 personnes dans la rue, RFI dit il y a 50 000. Bon, là, tous les chefs d'État qui sont venus, ils ont vu la réalité. Et comme disait quelqu'un, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Donc, ça a été une grande démonstration d'adhésion, d'unité. Ce qui a fait le chef d'État. Deuxièmement, le défilé militaire a impressionné parce qu'il y a longtemps qu'on ne connaît pas. Et par exemple, quelqu'un comme Yves Déby, qui est un militaire, c'est souvent debout. Et c'est lui-même qui me commentait. Quand les forces spéciales sont venues, il a commencé à me commenter les forces spéciales du Tchad, comment elles sont venues à Gao, etc. Donc ça a été une surprise, non seulement pour les Guinéens, mais pour tout le monde. Parce que personne, on pensait que l'armée guinéenne n'était plus à la hauteur, etc. Donc aujourd'hui, l'armée a montré réellement que la Guinée a une véritable armée. Et je pense que aucun de vous ne savait qu'il y avait les forces spéciales. Donc, très rassuré, monsieur. Avant, c'était les bureaux rouges. Mais c'était les bureaux rouges qui faisaient la fierté. Ouais, je suis désolé pour vous. Diallo. Doumbouya ne peut pas avoir 1000 femmes. Diallo Boka. Monsieur le Président, il n'y a que ces célébrations ont eu lieu à un moment où le fils, un des fils du père de la nation guinéenne, du père de l'indépendance, fait Ahmed Sékou Touré, donc son fils Mohamed, a des ennuis avec la justice américaine. Est-ce que vous êtes au courant de cette actualité et comment vous réagissez à cela et quelle place avez-vous fait à la famille de Sékou Touré au cœur de ce 60e anniversaire? D'abord, j'ai demandé à mon ambassadeur à Washington de suivre de près, de collaborer avec les avocats de mon Mohamed, que je considère comme un petit frère. Et il y a eu malheureusement un événement malheureux. J'ai contacté le ministre, va convoquer le chargé d'affaires américain. Il y a un Américain qui est venu ici sans consulter le gouvernement, sans consulter le ministre de la Justice et demander une commission rogatoire. Il est venu pour interroger la famille de la fille et aussi, malheureusement, sont partis voir la femme de Cross qui les a. Donc, ce qui est totalement illégal. Donc, ils ont fait un rapport qui est totalement faux. Parce que personne ne savait qu'ils étaient là. C'est une dame, un certain Yabi qui travaille à l'ambassade des États-Unis qui l'accompagnait. Donc, nous allons demander des explications au chargé d'affaires. Il est de mon devoir de défendre, bien sûr, de défendre les Guinéens partout où ils sont, quand ils sont victimes. Pas qu'ils soient fuis du président ou pas, même si c'est le fuit du dernier des paysans. Donc, le gouvernement guinéen va d'abord rétablir la vérité sur ce monsieur qui est venu, qui n'a jamais vu le gouvernement ni aucune autorité, et demander et protester. Et deuxièmement, l'ambassadeur va continuer à suivre. Évidemment, nous avons invité la famille, vous savez, on a invité la compagnie de l'indépendance, vous avez tous vu Mibu de Kanté, et nous avons invité la fille du président, Annie. Évidemment, nous avons, évidemment, comme la première dame, Madame André, on ne peut pas toujours la déplacer, mais on a voulu associer. Si la femme de. On a associé la famille de Bari Yaoundou comme la famille de Bari III, tout le monde. La Guinée, cœur battant du panafricanisme, mais les défis d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plutôt des questions de jeunesse, d'emploi, d'immigration, mais aussi les questions de femmes. Aboubacar Diallo. Bien. Donc, 60 ans ou 30 ans, 40 ans, 60 ans après les indépendances des États africains, il l'a dit, les défis ont changé. Et aujourd'hui, l'un des défis qui se pose avec acuité, c'est celui de la jeunesse. Et vous-même, lorsque vous étiez à la tête de l'Union africaine, je me souviens, dans l'un de vos discours, vous avez dit que la jeunesse africaine était comme une bombe à retardement. Donc, et plusieurs années après les indépendances, quelle place les États africains ont accordé, quelle attention vous, les chefs d'État africains, les dirigeants africains, vous avez accordé à cette jeunesse africaine qui,
de toute évidence, semble manquer de repères et de perspectives, donc et est contrainte à l'immigration, avec tous les drames qu'on connaît, Monsieur le Président. Bon, vous savez, on a eu ce débat en Afrique du Sud, mais le sommet qui m'a élu a pris comme thème « Investir dans la jeunesse ». Et nous avons chargé le président Déby d'être le champion. Donc le président Déby a convoqué la jeunesse. D'abord, il fallait les écouter. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Il fallait d'abord écouter la jeunesse. Et c'est à partir de là que lorsqu'il y a eu le sommet Union africaine, Union européenne, alors que la préoccupation des Européens c'était de mettre l'immigration, nous avons réussi par notre unité à imposer notre thème, c'est-à-dire investir dans la jeunesse. Et la rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine a été centrée principalement sur la jeunesse. Vous avez vu qu'on a donné la parole à la jeunesse africaine, mais aussi on a donné la parole à la jeunesse européenne. Aujourd'hui, le président Idriss Déby est le champion de cela. Donc, nous sommes tous conscients que c'est une chance pour l'Afrique que la population soit jeune, alors que les populations dans des pays, grands pays vieillissent, c'est une chance pour nous, à condition que nous puissions mettre cette jeunesse au travail. Nous sommes tous conscients de cela. C'est pourquoi nous avons mis en place l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, parce que si nous avons de l'énergie, nous allons transformer nos matières premières minières agricoles sur place, trouver du travail pour nos jeunes. En ce qui concerne la Guinée, j'ai dit dans mon discours que nous allons accélérer l'emploi jeune à partir du mois d'octobre. Nous avons actuellement 100 pirogues en fibre qui peuvent durer 15 ans alors que vous pouvez durer 5 ans. Donc nous allons donc mettre beaucoup de jeunes, créer beaucoup. Nous avons créé une banque, la banque d'investissement, afin de permettre de créer des groupements d'intérêts économiques des jeunes. Et cette banque va financer. Donc aujourd'hui, nous allons commencer dès fin octobre à mettre ces pirogues à la distribution des jeunes. Nous avons aujourd'hui 30 boulangeries conteneurs. Chaque boulangerie fait 4000 pains par jour. Nous allons mettre ceci à la disposition de la jeunesse. Et nous avons travaillé avec l'organisme dont Lula sur lequel Lula s'est appuyé au Brésil pour sortir 20 millions de Brésiliens de la pauvreté. Nous avons donc commandé des machines pour faire des jus de fruits, des machines pour faire des shifts et des machines pour faire le savon. Donc eux, ils vont venir, ils vont envoyer des cadres pour la formation des jeunes afin qu'aussi ce sera mis, c'est-à-dire que c'est une machine pour faire du jus de fruits, pour faire des chips, etc., soit mis à la disposition des jeunes et les machines pour faire des savons à la disposition des femmes. Et toujours au niveau des jeunes, nous avons commandé 300 décortiqueuses, c'est-à-dire des machines qui transforment le riz padi en riz net. Et chaque décortiqueuse peut faire transformer 4 tonnes de riz padi en riz net. Ces 300 décortiqueuses vont être données à des groupements d'intérêt économique des jeunes dans toutes les sous-préfectures où on produit du riz. Ensuite, nous avons lancé une grande campagne au niveau des sociétés minières pour créer le groupement d'intérêt économique afin que les camions qui transportent les bauxites soient mis à la disposition. Donc, très prochainement, nous allons partir à Bofa et à Boké parce qu'on a demandé aux miniers de mettre beaucoup de camions neufs à la disposition. Hier, j'ai reçu Winning. Ils vont envoyer des gens pour former des jeunes afin que. Parce qu'il faut. Les camions qui transportent la bauxite rapportent énormément. Mais il faut qu'ils apprennent, c'est quand même des camions lourds à conduire, mais aussi à gérer. Vous avez vu hier la responsable de l'Égypte qui est venue pour former les jeunes. Il est venu pour donner 87 diplômes pour former des jeunes. Parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, il faut former les jeunes à être des entrepreneurs. Ensuite, lorsque nous avons lancé la campagne Founio, nous avons fait fabriquer des machines pour décortiquer, piler et laver le Founio. Et c'est les jeunes qui vont faire ce travail. Donc, nous allons lancer un grand programme d'emploi jeune. Et tout le troisième trimestre va être consacré à ça. Mais à part ce mouvement des jeunes, il y a aussi l'optimisation des femmes. Vous savez très bien que nous avons lancé les MIFA. Aujourd'hui, nous avons 70 MIFA à travers le pays. Et pourquoi? Parce que nous sommes encouragés, parce que les femmes remboursent au minimum à 98%, sinon à 100%. Donc là aussi, pour l'utilisation des femmes, nous allons avoir à la fin du mois 20 couveuses. Et chaque couveuse peut faire tous les 21 jours 120 000 poussins. Parce que vous savez, la Guinée, on importe aujourd'hui 30 millions de poulets, alors qu'on peut
faire ça ici. Le Sénégal n'importe plus de poulet. Donc notre objectif, c'est que d'ici 2 ans, la Guinée n'importe plus de poulet. Donc une femme, on donne le poussin d'un jour à une femme à 1000 francs. Nous avons des usines d'alimentation de bétail et de volaille. Et j'achète l'aliment pour 4000 francs. Donc je dépense 5000 francs. Et au bout d'un mois et demi, vous savez combien coûte le poussin, le poulet aujourd'hui. Pour un investissement de 5000 francs, il peut avoir 25 000. Donc, bon, et les femmes peuvent faire l'élevage de ces poussins-là dans leur cours. Nous avons aussi commandé en Israël 20 plans de culture sous serre, qui va permettre aux femmes de pouvoir produire toute l'année des salades, des tomates, des aubergines, toutes les cultures, toutes les maraîchères. Donc ces vins, d'abord, les Israéliens vont venir avec nous. Une fois que les gens vont être habitués, on va en commander pour qu'il y en ait partout, particulièrement dans la zone minière. Parce que l'avantage de la culture sous serre, c'est que c'est protégé. Donc il ne peut pas avoir de poussière ni rien. Ensuite, ça produit toute l'année. Donc nous avons un très grand programme, sans compter aujourd'hui, tout le fourneau est acheté. Les femmes, on les achetait à 7000 francs au Mali, alors qu'ils transportaient. Nous, on achète à 8000 francs. Le fourneau est transformé par des machines. Et ensuite, on paye 3000 francs par kilo aux femmes pour tamiser, pour sortir toutes les saletés. Bon, donc ça va. Et comme nous achetons le fourneau directement au niveau des paysans, la production va beaucoup augmenter. Hier, il y a une délégation qui est partie pour le forum en Turquie. Ils sont partis avec le fourneau, parce que le fourneau a un avantage. Il n'y a pas de gluten aujourd'hui. Le fourneau est plus prisé que le quinoa aux États-Unis. Donc nous voulons développer ça. Pourquoi ils sont partis avec ça aussi, avec des pagnes indigo, parce que nous voulons faire aussi la promotion des femmes guinéennes qui font l'indigo, que ça soit au Fouta ou à Kindia. Donc nous avons, à partir d'octobre là, un grand programme d'emploi jeune et de promotion des femmes. Mais ce n'est pas seulement le souci du président, c'est le souci de la plupart des présidents africains. Si nous nous battons aujourd'hui pour l'énergie renouvelable, parce que nous disons aux Occidentaux que si l'Afrique n'est pas industrialisée, on ne peut pas donner du travail. Mais il faut dire aussi que les programmes du Fonds monétaire nous ont gênés, parce qu'à un moment donné, avec l'ajustement structurel, on nous a dit que vous êtes jeunes peut-être, mais certains d'entre vous vous rappelez ce qu'on a fait, des déplacés. Donc après la mort du président Sékou Public, on a obligé le gouvernement à licencier 40 000 fonctionnaires. Alors voilà des gens qui nous disent qu'il faut avoir des médecins, il faut avoir des enseignants, alors qu'ils nous ont dit de les licencier. Je rappelle toujours que lorsque le Madeleine, ministre de l'économie, a dit qu'on ne remplacera pas les fonctionnaires qui vont à la retraite, le premier ministre Alain Juppé est parti le même jour voir Chirac pour le faire sortir du gouvernement. Donc déjà, ça nous a handicapés, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, des enseignants comme d'autres qu'on a licenciés. Après, maintenant, évidemment, le fonds a reconnu que c'était une erreur, mais on avait quand même subi les conséquences. Donc tout le monde est conscient aujourd'hui. Personne ne peut être insensible à ce qui se passe quand on voit nos enfants mourir dans les eaux de la Méditerranée. Mais j'affirme à la jeunesse guinéenne que ce programme va être mis en application avec le ministre de la Jeunesse et les autres jeunes ministres, etc., qui vont sillonner le pays pour suivre ce groupement d'intérêt économique, puisqu'il y aura une banque d'investissement qui va leur permettre d'avoir accès et de rembourser progressivement en l'utilisant. Donc il y a toutes les raisons aujourd'hui pour la jeunesse guinéenne d'espérer et de croire en son avenir ici en Guinée, et que son avenir se joue ici. En tout cas, nous nous battons pour cela et nous allons continuer à renforcer cela. Vous savez, Lula a pu sortir 20 millions de Brésiliens de la pauvreté. Et dernièrement, lorsque le président chinois a dit qu'il mettait 60 millions de dollars à la disposition de l'Afrique, 60 milliards, pardon. Cette fois, il a dit que 8 milliards vont servir à aider l'Afrique à exporter des produits manufacturés sur la Chine. C'est-à-dire, et tout le monde comprend aujourd'hui, que l'Afrique ne peut plus accepter d'être seulement pourvoyeur de matières premières et déversoir de produits manufacturés. Donc, ils ont compris qu'il faut aider aussi les pays africains à pouvoir transformer sur place et vendre sur le marché chinois. Parlant de Lula, peut-être à une autre dimension. Vous-même, récemment, vous êtes engagé à tirer de la pauvreté environ 2 millions, je ne sais pas si c'est des femmes, mais à travers, en tout cas, des MIFA, tirer avant 2020 2 millions de Guinéens de la pauvreté. Le programme la tient ?
Mais vous savez, le programme de MIFA est très encourageant parce que partout, les femmes se sont mobilisées. Je prends Zéro Corée par exemple, elles ont déjà utilisé plus de 5 milliards. Et c'est la même chose pour les femmes du Siguini, de Cancan et beaucoup d'autres, etc. Vous avez vu les femmes de Pita, etc. Donc aujourd'hui, les femmes guinéennes travaillent beaucoup. Non seulement, il n'y a pas que l'indigo, elles transforment beaucoup de choses. Elles transforment le savon, elles transforment le moringa, elles transforment le beurre de karité, etc. Ce qui manquait, c'est la capacité d'une production plus élargie, c'est-à-dire de trouver des machines qui peuvent les permettre, au lieu de faire 10 en un jour, de faire 100. Et ensuite, la présentation. Si nous voulons vendre à l'extérieur, il faut qu'on ait une très bonne présentation. Aujourd'hui, le fournu est bien présenté. Nous avons commandé une machine qui va permettre de faire l'emballage et ensuite avec la présentation en français, en anglais, etc. Donc, tout ce que les femmes guinéennes ont besoin, c'est l'accompagnement. Tout ce que les agriculteurs guinéens ont besoin, c'est l'accompagnement. Et si elles sont accompagnées, la grande majorité des femmes vont sortir de la misère. Parce que n'oubliez pas que la grande majorité des femmes se trouvent dans les campagnes. Donc, ce n'est pas un miracle. C'est leur capacité et leur volonté de travailler qui est à la base de cette transformation. La seule chose que le gouvernement devait faire et qu'il doit faire, c'est les accompagner. Salut Sam. Donc moi je vais rester toujours dans le volet économique, porté par les investissements qui ont été consentis au niveau du secteur minier, notamment de la bauxite et d'exportation de bauxite. La croissance de la Guinée a atteint 10% en 2017. Mais lors de la dernière revue avec le FMI, nous nous rendons compte que nous allons toujours être dans un niveau assez haut parce que c'est 6%, mais quand même il y a une variation. Comment vous, en tant que président, vous expliquez ce phénomène? Vous savez, l'année dernière, le fonds a dit que notre taux de croissance était de 6%. Ils ont été obligés de rectifier. Moi, j'attends qu'on vous aille d'ici la fin de l'année, quel va être le taux de croissance. N'oubliez pas non plus qu'on a eu des problèmes avec la grève des enseignants qui nous a fait perdre du temps, qui nous a coûté très cher sur ce budget parce que ce n'était pas prévu d'augmenter 40% d'un coup. Il y avait un accord pour prolonger jusqu'en 2019. Bon, mais il est évident que vous avez vu la dernière revue du Fonds monétaire, vous avez vu les conclusions, vous avez vu le passage de la Banque mondiale. Avant, l'enveloppe de la Guinée, jusque-là, était de 500 millions de dollars. Et vous avez vu que dernièrement, cette enveloppe est passée à 1,9 milliard. Le dernier conseil d'administration de la BAD a adopté le programme de la Guinée 2019-2020. Et le conseil d'administration a l'unanimité à féliciter la Guinée de son choix, basé sur l'agro-business et l'énergie. Donc, si vous écoutez les grandes institutions financières, vous voyez aujourd'hui comment ils vont à la Guinée. Vous avez donc vu la Fonds monétaire, vous avez vu la Banque mondiale, la BAD, qui sont nos trois principaux partenaires. Vous avez vu aussi l'AFD aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui le nombre d'hommes d'affaires des pays qui viennent, les forums qu'on fait ici ou qu'on fait dans des autres pays, etc. Donc, comment voulez-vous que les hommes d'affaires viennent avant vous venez? Il n'y a pas d'hôtel. Bernard Tapie est venu ici. Quand on a montré la suite où il devait loger au nouveau hôtel, il a pris son avion, il est parti dormir à Dakar, il est revenu le lendemain. Bon, alors comment voulez-vous attirer des hommes d'affaires s'il n'y a pas d'hôtel? Aujourd'hui, je crois. Vous savez, le journaliste de l'Inter, à son retour, quand il a visité les hôtels, il a dit mais les hôtels de Guinée sont plus beaux que les hôtels d'Abidjan. Quand ils sont revenus de. Il faut le demander, quand ils sont revenus de Soapiti, il a dit mais vous ne communiquez pas. Si ça était chez nous encore au Sénégal, tous les jours, toutes les années, on parlerait. Mais alors, vous avancez, vous ne communiquez pas. Pourquoi? Demandez à vos collègues qui sont venus du Burkina, du Sénégal, du Mali et du Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils souhaitent revenir en caravane pour aller. Parce qu'ils disent, vous communiquez, nous on va communiquer. Mais il faut qu'on dise la vérité sur la Guinée. Parce que, évidemment, vous savez bien, les prétendus de la radio internationale, ce qu'ils disent sur la Guinée. Bon. Bon, restons toujours dans le même registre, l'énergie. Nous nous rendons compte que beaucoup de projets sont liés à la production énergétique. Lors de la COP des conférences au niveau COP 21 à Paris, nous avons entendu quand même de grandes annonces. Quelle est la situation aujourd'hui? Vous êtes quand même un des leaders justement de ce au niveau africain en tout cas. Quelle est la situation actuelle? Bon, disons que les grandes puissances étaient engagées à nous aider à avoir 10 gigawatts d'ici 2020. Il y a beaucoup de projets qui ont été présentés. C'est l'initiative
African Promotion Vulnérable, c'est moi qui suis le champion qui préside, parce que vous savez, on a créé des champions pour beaucoup de temps pour que l'Afrique parle d'une seule voix. Nous sommes assez optimistes. Le prochain conseil d'innovation aura lieu en janvier à Conakry. Donc nous allons faire le point parce que nous allons présenter beaucoup de projets qui ont été admis. Donc maintenant, les études de faisabilité sont avancées pour beaucoup d'autres. Donc nous sommes assez optimistes pour la faisabilité d'une bonne partie de nos énergies renouvelables. Mais nous avons dit aussi à nos partenaires que nous avons besoin d'une énergie mixte. Parce que l'énergie renouvelable, c'est pas, ça met du temps. Donc il faut qu'en attendant, nous puissions aussi faire l'énergie fossile et progressivement remplacer l'énergie fossile par l'énergie renouvelable. On a toujours eu à prédire un très bon avenir à la Guinée, justement à cause de la fertilité de son sol, à cause de la richesse de ses entrailles, son sous-sol, notamment par les mines, surtout par cette hydrographie, donc qui était restée jusqu'ici en potentiel qu'il fallait transformer. Mafferin Camara. Monsieur le Président, nous allons revenir au secteur minier. Actuellement, beaucoup de sociétés minières sont de plus en plus présentes dans le tissu économique en termes d'investissement. On a vu le code minier a été adopté, puis amendé, et le cadastre minier a été vraiment assaini. On voit que l'exploitation minière est vraiment réelle. Mais qu'est-ce que la Guinée tire de ces mines aujourd'hui? Vous savez, quand je suis venu, la Guinée ne produisait que 13 millions de tonnes de bauxite, alors que nous sommes dans plus de la moitié des aires mondiales de bauxite. Ensuite, on avait Alcoa, une société américaine, Rusal, une société russe, et puis on avait Enanshin, une société chinoise. Aujourd'hui, nous avons amplifié, parce que nous avons Mubadala, qui est d'Abu Dhabi à Sangredi, dont l'investissement va atteindre 5 milliards de dollars. Nous avons Alifair, qui est une société anglaise qui se trouve à Bofa. Nous avons SMB, qui est une société française. Nous avons une société indienne, dont je ne me rappelle pas le nom, qui est en association avec notre société nationale, Sudipami. Donc nous avons aussi la société chinoise Winning. Et nous avons deux autres sociétés qui n'ont pas commencé à produire sociétés d'État. Nous avons aussi une société privée TBA qui va faire le barrage d'Amaria, etc. Faire le chemin de fer et faire la transformation. Parce que nous ne voulons pas vraiment être vendeurs de bauxite. Nous voulons transformer le bauxite dans un premier temps en aluminium. Mais vous savez, il faut énormément d'énergie. Et pas n'importe quelle énergie, parce qu'il faut de la vapeur. Donc pour cela, il faut des centrales avec le charbon propre ou avec le gaz. Parce que le courant du barrage peut servir pour l'administration, etc. Mais pour la transformation, il faut de la vapeur. Et il y a déjà Rusal qui le fait à Fria. Il y a Winning qui va faire le chemin de fer et son usine pour la raffinerie. Il y a le TBA qui non seulement va aller à l'aluminium, mais directement à l'aluminium. Donc, ensuite, vous savez, la Guinée n'a pas que la bauxite. Nous avons d'autres matières comme le cuivre, le platine, etc., que nous appelons matières de base. Les Russes nous avaient aidé à faire la géophysique à 200 millions. Nous-mêmes, nous avons financé la géophysique aux 100 millions. Nous aurons les résultats au mois de décembre. Donc, nous pourrons savoir, par exemple, parmi les différents indices de cuivre, où on est sûr d'avoir la quantité exploitable. Pas du moment, nous allons négocier avec les sociétés comme on a fait pour la bauxite et faire la géophysique au 5 millième et ensuite partager le résultat. Donc l'avenir minier de la Guinée a un très bel avenir. Mais comme je vous ai dit, les ressources des mines doivent nous servir pour faire des infrastructures d'énergie. Mais le développement de la Guinée, le sortir de la pauvreté, ce n'est pas les mines, c'est l'agro-industrie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la Guinée est la politique agricole de la Guinée a diminué de tous côtés. La preuve, la BAD a choisi deux pays par région, en Afrique de l'Ouest, le Ghana et la Guinée, pour le transfert des technologies du Brésil, d'Amérique latine. Donc les Brésiliens et les Argentins sont venus, ils sont partis à l'intérieur du pays pour nous aider à produire le maïs et le soja comme eux. Donc, amener les paysans, ils vont faire 250 hectares dans 5 préfectures d'essai, afin que la production de maïs par hectare soit largement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, et aussi l'introduction du soja, qui est extrêmement important, non seulement pour la nourriture humaine, mais aussi pour la nourriture des animaux.
Donc, c'est ensuite la BAD nous accompagne pour 5 plateformes agricoles, c'est-à-dire dans un premier temps en Basse-Guinée, en Haute-Guinée. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire des aménagements afin de permettre à des grands producteurs de s'installer, produire et transformer et commercialiser. Donc, pour produire, par exemple, des ananas, transformer en jus de fruits, en tranches d'ananas et vendre. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire de l'agriculture, mais de faire de l'agro-industrie. Pourquoi ? Nous encourageons beaucoup de Guinéens qui ont des moyens à pouvoir faire 1000 hectares, 2000 hectares, 3000 hectares. Donc l'agro-business a un grand avenir. Aussi, nous nous battons pour qu'il y ait le transfert les zones industrielles pour que les entreprises chinoises, comme ils l'ont fait en Éthiopie, viennent produire en Guinée pour vendre sur le marché international. Cela, nous sommes en contact avec un certain nombre de provinces chinoises. Nous sommes assez avancés pour cela. Enfin, nous avons aussi la zone économique de Bokeh dans quelques années, aura 200 000 habitants et emploiera plus de 100 000 personnes. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de transformer nos mines en moyens pour le gouvernement guinéen de faire l'énergie, surtout les routes. Vous savez, on n'a pas de route, le chemin de fer pour Nakri, Bamako, Bobo-Dioulasso. Mais surtout, de développer l'agro-business, parce que c'est là qui va améliorer les conditions de vie des populations et donner beaucoup d'emplois aux jeunes. Pour enchaîner, vous avez le projet aussi des initiatives présidentielles où figure la pisciculture, par exemple. Vous savez, j'ai été souvent en Côte d'Ivoire parce que j'étais à Sucre d'Henri. En fait, il y avait le ministre de l'Agriculture, mais j'ai constaté que le véritable ministre de l'Agriculture, c'était le président Fouboigny. Donc, lorsque certains conseillers sont venus, ils m'ont dit, président, nous, on veut travailler, mais il faut que le président prenne. Donc, il y a le budget du ministère de l'Agriculture, mais j'ai compris que ces cadres-là travailleront plus facilement avec un président qu'avec un ministre, parce que c'est quand même des cadres de très haut niveau. C'est pourquoi nous avons fait une initiative présidentielle qui nous a permis de lancer, grâce à la coopération avec mon frère Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, d'avoir des semences de cacao Mercedes. On dit Mercedes parce qu'il faut dire, au bout de 18 mois, non, pas 3 ans. Aujourd'hui, nous avons dépassé le stade de faire venir des semences de Côte d'Ivoire, parce que nous-mêmes, nous avons des champs semenciers, ce qui nous permet aujourd'hui de lancer la culture de cacao à grande échelle, ce qui va constamment améliorer le revenu des paysans. C'est la même chose que nous avons fait pour le café, mais nous avons constaté qu'au lieu de faire venir le café Robusta comme le faisons de Côte d'Ivoire, il faut plutôt développer le café Ziama qui existe en Guinée et qui est très coté, donc de faire des champs semenciers pour le café Ziama. Mais aussi la collaboration avec certains pays amis, certains présidents amis comme le président Kagame ou le premier ministre de Kenya, d'Éthiopie, nous a permis aujourd'hui de commencer à faire des champs de café arabica au Fouta. Vous savez, on a déjà fait 2000 hectares et nous allons d'ici l'année prochaine faire 10 000 hectares et progressivement. Donc, cela va améliorer considérablement les revenus des paysans, sans compter ce que nous avons lancé pour l'ANACAF. Aujourd'hui, la Guinée produit plus de 400 000 hectares d'ANACAF. Nous avons une usine qui va commencer parce que nous ne voulons pas vendre l'anacard brut. Nous allons tout transformer. L'anacard, nous allons transformer en noix de cajou. Le fruit, nous allons faire du jus et l'alcool. Quand on dit l'alcool, les médecins disent, mais ce que vous oubliez, c'est que les hôpitaux utilisent beaucoup d'alcool. Donc quand on dit, bon, l'alcool, ce n'est pas seulement pour boire, l'alcool va être utilisé dans les hôpitaux. Nous avons, vous savez qu'après Douala, nous avons lancé une très grande campagne de construction des hôpitaux. Ces hôpitaux ont besoin d'alcool. Et ensuite, donc, on va tout utiliser. La noix pour faire les noix de cajou, le fruit pour faire les jus de fruits et l'alcool, et la coque là avec les Tunisiens pour transformer. Donc tout va être utilisé. Voilà, donc ce qui va être, c'est l'agro-business qui va être le véritable bas de développement. Bien sûr, nous allons tout faire pour que la bauxite, le minerai de fer et aussi les autres, comme le cuivre, le platine, le cobalt, soient exploités, parce que tout ça, ça va donner des réseaux et ça va permettre de renforcer notre politique mais agro-business. Mais aussi, il faut la maîtrise de nouvelles technologies, parce que qui dit développement, il faut la maîtrise, il faut l'éducation, donc la maîtrise par la jeunesse guinéenne du savoir, mais aussi la santé. Parce que mens sane in corpore sane, disaient les Romains, un esprit sain dans un corps sain. Voilà donc pourquoi nous renforçons les universités. Vous avez vu comment l'université de
Gamal est en train de se transformer. Vous avez vu l'université de l'Abbé. Je vais poser d'ici quelques jours la première pierre de l'université de Cancan, ce sera l'université de Zélecoré, etc., pour que donner la force à l'enseignement, surtout à permettre à la jeunesse guinéenne de maîtriser de nouvelles technologies qui permettent de créer des start-up. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont devenus riches à partir des start-up. Donc, ils seront d'ailleurs 10 fois mieux payés que les fonctionnaires. Nous reviendrons sur la question de l'enseignement sous peu. Après cette question, oui, je voulais revenir à l'agriculture mais aussi à l'énergie. Dans le cadre des initiatives présidentielles que vous portez, et vous avez parlé de l'anacard mais aussi du café, du cacao, mais il y a le coton. Et depuis votre arrivée au pouvoir, vous avez porté beaucoup d'efforts, vous avez accentué beaucoup d'efforts sur la filière coton dans la savane guinéenne. Mais on a l'impression que ces efforts ont du mal à apporter des résultats. Non, parce que vous ne suivez pas. Non, je finis, Monsieur le Président. C'est oui. Que des régimes passés, par exemple avec l'ancien Premier ministre Sidy Touré, on avait porté la production au niveau du coton à Cancan, je crois, autour de 40 000 tonnes. Non, s'il vous plaît. La Guinée. Quand il y avait la société française, comment ça s'appelle, qui a été transformée en géocoton, au lieu de nom, on produisait 40 000 tonnes. Ouais. 40 000 tonnes de coton. Ça n'a rien à voir avec la réunion. On produisait 40 000 tonnes. Ensuite, la production est tombée à 4 000. Parce qu'on a donné, sous un gouvernement, on a donné à un premier Guinéen qui n'a rien fait, la production est tombée à 4 000. Parce que quand les Français étaient là, les paysans ne se mettaient accompagnés, mais ils faisaient les pistes en même temps. Donc les paysans n'avaient pas de difficulté pour sortir le coton. On est tombé à 4 000. Aujourd'hui, on est remonté beaucoup. Il faut peut-être demander au ministre la production. Mais surtout, nous allons réhabiliter l'usine de Sigri. On aura 2 usines. Et nous sommes en train de transformer la nature juridique de la production du coton pour permettre à la fois d'associer des producteurs de coton, mais aussi des privés, afin d'avoir une gestion beaucoup plus saine et qui va nous permettre, parce qu'il faut qu'on arrive au moins à 100 000 tonnes de coton. Parce qu'évidemment, on ne va pas produire comme le Mali, parce que nous voulons privilégier quand même les cultures vivrières et d'autres spéculations, comme par exemple le soja, comme le sésame, etc. Nous n'allons pas tout mettre sur le coton. Et nous allons faire pression de coton à Gawal, à Koundara et dans la savane de la Haute-Guinée. Et dans quelques jours, nous allons donc rencontrer les planteurs, le ministre de l'Agriculture. La ministre, pardon, va rencontrer les planteurs pour la transformation de la nature juridique de ce secteur afin de davantage impulser la production de coton. La transformation sur l'énergie. Et l'usine de Sigri va s'ajouter à l'usine de Cancan pour la transformation. Et mieux, nous n'allons pas seulement faire les fibres de coton, et nous allons aussi utiliser les graines de coton pour l'alimentation du bétail. La transformation, c'est industriel, c'est vraiment un grand défi. Monsieur le Président, à la faveur de la célébration de l'an 60, on a vu pas mal de reportages réalisés par la télévision nationale qui ont amené les Guinéens à comprendre qu'il y avait eu un début sur le plan de l'équipement industriel. Aujourd'hui, la plupart de ces équipements sont pratiquement gommés, avec même le patrimoine foncier. Aujourd'hui, quelle politique vous avez par rapport à ces unités-là qui ont été bradées et aujourd'hui par rapport même au foncier qui a été pratiquement passé dans les mains des privés? Bon, d'abord, nous avons repris dans le portefeuille de l'État toutes les usines. Certaines ont été relancées, par exemple, c'est le cas de l'usine de Rachid de Dabola. Et la Guinée va rentrer dans le capital avec, accompagnée par l'AFD, avec Castel, afin d'avoir une production d'arachide à Dingra et Dabola, Koursa et Farana suffisant pour l'usine, et aussi d'arachide pour ravitailler les usines d'alimentation de bétail et de volaille. En ce qui concerne le foncier, nous avons fait la revue vous savez ce que vous avez mis en place, ce qu'on appelle les réserves foncières. Aujourd'hui, nous avons fait la revue de toutes les réserves foncières dans les 4 régions.
et nous sommes en train de les mettre en sécurité. Ensuite, nous avons lancé aussi toutes les réserves où ils ont été bradés. Nous sommes en train de les récupérer. Nous avons lancé une campagne, on a été clair. Parce qu'un préfet n'a pas le droit de vendre un bien de l'État. Donc, tous ces biens qui ont été vendus de façon abusive, le parlement bâti en train d'écrire aux gens pour qu'ils s'expliquent comment ils ont eu et de récupérer. Donc, il y a une grande campagne de récupération. Et cela, ça sera sans état d'âme. Parce qu'il ne faut pas que les biens de l'État soient privatisés par les gens de façon injuste. Mais il demandera à chacun comment il a eu. S'il a eu de façon correcte, oui, ça sera la faute du gouvernement. S'il a eu de façon illégale, alors ça sera récupéré. S'il a eu de façon correcte, alors le gouvernement va l'indemniser. Donc nous avons pris toutes les décisions qu'il faut faire de l'État. J'ai vu dernièrement un reportage sur Sanua. Sanua bientôt va démarrer. Et vous allez voir, je ne vous dis pas comment, vous avez la surprise. Merci. Ensuite, l'usine de Mamoun, la tomate, nous allons avoir deux choses. Nous allons avoir l'usine de production, de transformation de la pomme de terre en frites congelées, etc. Nous allons aussi, il y a deux partenaires privés qui vont faire l'usine de tomates, etc. Donc, nous allons relancer toutes ces usines. Certaines ont été relancées. Bon, je prends par exemple la production de gambas. Vous savez, on a des gambas tellement gros qu'on les appelle commando. Le colosserie se trouve à Tamara et l'élevage à Koba. Donc, c'était anti-économique. Avec une société israélienne, nous sommes en train de travailler pour que l'élevage soit à côté de Tamara. En ce moment, maintenant, nous allons lancer une grande production de commando parce que nous pourrons l'exporter bientôt sur l'Europe. Mais surtout, notre politique aujourd'hui, c'est d'amener aussi la population à sortir de ce dilemme, de ce binôme riz-viande, qui entraîne beaucoup de maladies, de diabète, d'AVC. Pour cela, lorsque nous achetons, nous voulons lancer les femmes dans la production de poussins, c'est pour manger moins de viande. Et vous savez que là, nous avons une expérience en forêt de la pisciculture. Vous voyez aujourd'hui qu'on empoisonne partout dans la région. Mais nous avons un accord avec l'AFD qui nous accompagne pour 10 millions d'euros afin que nous développions cela en Haute-Guinée au Fouta. L'objectif, c'est que d'ici 3 ans, la Haute-Guinée, la forêt et le Fouta n'aient plus besoin de poissons de Conakry, qu'ils soient autonomes au point de vue poisson et que les centres de poissons de Conakry soient exportés. Mais aussi, nous avons signé en Chine avec la société STC la construction de bateaux de pêche à Conakry parce que la plupart de nos grands pêcheurs industriels n'ont pas de bateaux. Ils font la consignation. Ce qui n'est pas très rentable pour nous, c'est-à-dire c'est des bateaux chinois ou coréens. Donc, d'ici quelques années aussi, certains ont déjà commencé à avoir des bateaux comme Alissadi ou comme Boboudi, mais nous voulons que toute la pêche industrielle ait leur propre bateau. Ça aussi, ça va nous permettre de renforcer la pêche. Donc, le développement économique, ça sera basé sur l'agriculture, l'élevage et aussi la pisciculture. Donc, ça va nous permettre aussi d'avoir de nouvelles unités, pas seulement réhabiliter les anciennes unités, mais d'avoir d'autres unités industrielles. Abouka. Oui, sur l'énergie, je voulais vous poser deux questions. Vous avez fait beaucoup d'efforts, ça c'est indéniable. Dans le secteur de l'énergie, dans le cadre de, bien entendu, de l'indépendance énergétique de la Guinée. Je crois qu'on va l'avoir sous votre magistère, et avec Kalita et Swapiti et Amaria, bien entendu. Et Kukutamba. Et Kukutamba. Donc, mais j'ai une question sur EDG, sur la gestion qui est celle d'EDG. Vous avez confié, votre gouvernement a confié à Veolia, donc la gestion, un contrat de gestion d'EDG. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de cette gestion et qui est celle de Veolia? Et votre gouvernement aussi a décidé de réduire de manière assez substantielle la subvention que l'État alloue à EDG. Et où en êtes-vous avec cette subvention? Et à côté des barrages, il y a que nous constatons que les centrales thermiques continuent d'avoir de beaux jours en Guinée. Nous constatons en ce moment qu'il y a la construction d'une nouvelle centrale thermique au rond-point de la Tannerie. Pour ma part, c'est paradoxal, alors que nous allons avoir Swapiti en 2019 ou en 2020. Comment comprendre que des centrales comme GDE, Aon et j'ai appris Conakry TFA, donc qui va être construite à la Tannerie, que ces centrales... Je ne sais pas qui. Conakry TFA. Et ces centrales vont continuer donc à exister, à coûter beaucoup d'argent à l'État. D'abord, c'est évident, si vous savez que je ne suis pas satisfait de la gestion de Veolia. Nous avons eu une réunion il y a quelques mois où j'étais très clair. Parce que d'abord, au départ, je n'étais pas d'accord. Moi, j'avais dit
de faire un contrat de performance. Mais c'est le bon qui a dit non, il faut carrément passer à cette gestion pour un certain temps. Mais je suis pas, j'ai été très clair que je n'étais pas satisfait de la gestion de Veolia. Nous avons eu une longue réunion ici avec leur patron. Et aujourd'hui, nous avons, grâce à Rousseau, nous avons pu recruter des Guinéens qui vont venir pour renforcer la barre. Parce que Veolia va partir dans quelques mois pour que les Guinéens prennent la gestion. Parce que Veolia, ce n'est pas normal que pour un nombre d'habitants de Conakry, on n'ait que 200 000 abonnés. Donc quand Veolia est venu, ils n'ont pas amélioré. On peut espérer qu'on va passer à 400-500 000 abonnés. Or, l'augmentation n'a même pas été de même pas 5%. Mais à ma connaissance, la seule société qui va faire la ligne centrale, c'est la société américaine. En dehors de cela, il n'y a pas d'autre centrale. Si on vous a dit ça, c'est l'histoire. Parce que nous voulons remplacer progressivement les centrales thermiques par l'énergie solaire. Vous savez qu'on a un projet de faire 80 MW à ligne 100. Mais évidemment, il y a des centrales où on avait signé des contrats, il faut qu'on continue avec eux. Mais progressivement, les centrales, il faut, plus la gestion de EDG est améliorée, moins on aura besoin de subventions. Il y a aussi, les Guinéens veulent bien le courant, mais on ne va pas payer. Mais quand même, il faut qu'on paye aussi. Parce que le coût de revient du courant est supérieur de 10 fois au prix de vente. Mais aucune entreprise ne peut vivre comme ça. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose à 1000 francs et le vendre à 100 francs et pouvoir prospérer. Donc il faut aussi qu'il y ait un certain patriotisme et que vous tous vous acceptez de payer le courant. Parce que le courant transforme quand même la vie. Mais aujourd'hui, nous allons faire venir des cadres de haut niveau, par exemple, Traoré, qui est un cadre de très grande expérience, qui va être donc AEDG, qui seront là pour prendre la relève. Et on va tirer toutes les erreurs. Puisque nous avons des Guinéens capables qui vont prendre la relève, on va tirer des leçons aussi de la gestion de Veolia. Dernière partie de cette interview, c'est toujours sur la vie de la nation. Cette vie souvent est marquée par l'organisation, la dynamique des différentes composantes sociales et économiques, bien évidemment, quelques agitations et des crises. Ça lui semble. Monsieur le Président, l'éducation est plus qu'une priorité dans un pays comme la Guinée. Cependant, ces derniers mois, nous assistons à des grèves récurrentes, surtout de la part du SLEC, qui a vécu et qui continue de vivre en son sein une crise. Quel regard vous portez sur cette question précise et selon vous, quelle est la solution à la crise? Vous savez, à la fin du régime du président Kone, comme il était malade, la situation a fait que les syndicats ont pris le pays en otage. Et depuis mon arrivée, même ils le connaissent, le salaire de tous les Français a été augmenté au minimum, a doublé au minimum. Les enseignants, on a prévu, on a signé avec les syndicats pour une augmentation de 40% sur le niveau de la fin. On a signé avec eux un échelonnement des salaires dans tous les pays du monde. On négocie sur l'augmentation pourcentage des salaires en France partout. Si vous prenez aujourd'hui le PIB de la France et vous prenez le salaire d'un enseignant français, vous verrez qu'en comparaison du PIB de la Guinée et du salaire d'une chose, et c'est très simple, hein. Demandez, faites une comparaison entre le PIB de la France et le salaire d'un enseignant français, le PIB de la Guinée et le salaire d'un enseignant, vous serez surpris. Donc nous allons expliquer aux parents d'élèves, surtout que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se disent en position de crèche qui ne sont pas dans les classes. Et c'est pourquoi le ministre a demandé que le ministre du budget ne les paye pas, qu'ils se présentent pour chasser où ils sont. Beaucoup d'autres rentrent comme enseignants et vont dans d'autres ministères. Donc nous allons mettre de l'ordre pour que tous les enseignants soient en position de classe. Je pense qu'aucun gouvernement en Afrique n'a fait autant d'efforts au niveau des salaires que mon gouvernement l'a fait. Bon, je vais demander au ministre du budget de vous donner l'évolution des salaires. En plus, il n'y a pas que les salaires, il y a le pouvoir d'achat. Quand je suis arrivé, le kilo de riz était à combien? Et le riz, depuis 8 ans, n'a pas dépassé 200 000, alors que le riz parfaitait jusqu'à 300 000. Le riz local était coûté combien? Aujourd'hui, allez à la campagne, les paysans vous diront, nous on mange à notre faim. Bon, ensuite, il y a les infrastructures. Il y a l'électricité. Avant, une femme était obligée d'aller tous les jours au marché. Aujourd'hui, avec l'électricité, elle va une fois au marché ou deux fois au maximum. Donc, le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement le salaire indiciaire, c'est aussi la capacité d'avoir accès à d'autres. La santé, la saison est gratuite, beaucoup d'autres, etc. La santé, l'éducation, tout ça, ça fait partie du pouvoir d'achat. C'est combien vous pouvez acheter, combien de sacs de riz vous pouvez acheter, combien d'enfants peuvent aller à l'école avec votre salaire. C'est ça que le pouvoir d'achat.
Et vous n'avez qu'à voir aujourd'hui quel est le niveau du pouvoir d'achat. Évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain sortir tout le monde de la pauvreté. Nous sommes... regardez dans les autres pays, quand on parle de chômage jeune, où est le pays en parle de chômage jeune aujourd'hui en Afrique, même dans les pays de l'Afrique, regardez enfin en France aujourd'hui, tout le problème de la banlieue parisienne, etc., là, dans le chômage, quel est le principal problème en France aujourd'hui, c'est le chômage. Et si vous voyez aujourd'hui la révolution française, quand vous regardez le chômage, ce qui vient en numéro un, c'est la lutte contre le chômage. Ah, pourtant, la France est un grand pays développé. C'est la même chose pour les autres pays européens. Donc, c'est de la mauvaise foi de penser qu'on peut sortir tout le monde de la pauvreté en même temps. Donc, nous n'accepterons pas des revendications fantaisistes. Donc, moi, je peux me lever et dire, bon, le ministre, on parlait d'un cas, dire, bon, il faut payer 100 millions par mois à tous les ministres. Toujours dans le registre des crises, la Cour constitutionnelle vient de changer son président dans une atmosphère qui est assez tendue. Vous avez même vous-même signé un décret pour prendre acte de l'élection de M. Mohamed Lamine Bangoura. Quelle est votre opinion par rapport à tout cela, ce qui s'est passé ces derniers temps? Vous savez, vraiment, je regarde, je ris quand je m'entends ce qu'on raconte. D'abord, la Cour constitutionnelle. Vous savez, c'est le CNT qui a fait la loi, la Constitution. Le Conseil national de transition. Et certains ont fabriqué une cour constitutionnelle à leur mesure. Certains pensant que c'est eux qui sont élus par les magistrats, d'autres par les anciens et d'autres par les avocats. Dans tout le système français, le président de la cour constitutionnelle est nommé par le président de France et tous les pays francophones. Qu'est-ce qu'on a dans la constitution? Le président nomme une personne. Le président de l'Assemblée nomme une personne, les avocats désignent un, les magistrats désignent un, les enseignants un. Ensuite, l'Organisation des droits de l'homme désigne deux. Donc, à la Cour suprême, le président ne nomme qu'une personne. Ensuite, les gens sont désignés par vote. Donc, le président de la Cour suprême n'est pas nommé par le président ni désigné par le président. C'était un vote en leur sein qui désigne le président. Donc c'est de la folie de dire que le président veut enlever ou soutenir le coup. Mais je ne rentre même pas parce que quand les gens voient qu'ils perdent du terrain et qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre les objectifs qu'ils voulaient, ils inventent n'importe quoi. Comme notre population est en partie, même vous-même, si vous étiez de bons journalistes, vous avez commencé d'avoir parlé de la Constitution guinéenne. Que dit la Constitution de la Cour sur la Cour constitutionnelle? Le gouvernement n'a aucun moyen d'influence sur la Cour constitutionnelle. Mieux, moi j'ai tout fait pour aider la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il y a eu le tirage au sort et que les autres ont dit il faut que le président aussi soit soumis au tirage au sort, c'est moi qui ai demandé une consultation au président Laurent Fabius en France pour demander, selon notre Constitution et la loi organique, est-ce que vous pensez que le président de la Cour aussi doit être soumis au tirage au sort? Après consultation, la Cour a répondu non, président, selon la Cour constitutionnelle, ne sait pas. Et c'est moi qui ai envoyé ça à tous les conseils pour dire vous n'avez pas raison de dire que le président va être soumis au tirage de sort. Demandez au Cour comment le tirage de sort s'est passé. Donc, vraiment, moi, les gens n'ont qu'à parler. Et lorsque la CENI a voulu changer son président, on ne s'est pas mêlé. Le fonctionnement de la Cour, on dit oui, c'est pour empêcher. Mais une constitution, c'est le peuple. Si demain le peuple de Guinée veut changer sa constitution, il y a un référendum. La Cour constitutionnelle ne peut que constater. Allez voir la Constitution et la loi organique constitutionnelle de la Cour. Si le président ou le Parlement a un seul moyen de nommer quelqu'un ou de ne pas nommer quelqu'un. Et ceux qui ont fait la Constitution, on les connaît. Certains tous rêvaient d'être président de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois que même les salaires des membres de la Cour, c'est dans la loi organique. On n'a jamais vu ça nulle part. Sur cette crise à la Cour constitutionnelle, en vous suivant, votre propos est de dire que vous ne vous en êtes pas mêlé. C'est une institution donc qui... Il y a séparation des pouvoirs en Guinée. Il y a le Parlement, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. En Côte d'Ivoire, lorsque le président Vodi a été mis en minorité, il a démissionné. Dans tous les pays francophones, par exemple en France, le président de la Cour suprême, Cour constitutionnelle, n'est pas nommé par le président. La Guinée est le seul pays où il est élu par ses pairs. Si ses pairs veulent changer, qu'est-ce que le gouvernement? Est-ce que le gouvernement ne se mêle pas? Justement, ce sur quoi porte le débat et au sein de l'opinion, c'est la procédure, monsieur le président. Et selon moult observateurs et spécialistes du droit,
loi, la procédure aurait été que la Cour suprême soit saisie de l'affaire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Lisez la Constitution. Vous êtes juriste, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Votre avis là-dessus. Lisez la Constitution. Ouais. C'est de la folie. La Cour suprême n'a rien à voir dedans. Les membres de la Cour constitutionnelle, dans un premier temps, il y a six membres, il y a trois ans, deux ans, il y a six membres de la Cour constitutionnelle qui ont demandé la révocation du président, six contre trois. À l'époque, j'ai réservé, j'ai dit, écoutez, la Cour vient de s'installer il y a à peine un an, essayez de trouver une solution. J'ai réservé tous à déjeuner. Ils ont dit, voilà les critiques qu'on fait à notre président. Il a dit qu'il va changer. Un des conseillers, Mounir, a dit, je le connais, le président ne changera pas. Donc moi, je ne me suis pas mêlé. Donc la seule chose que j'ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas une solution. Et lorsque la Cour a fait, j'étais en Chine, lorsque, ce n'est pas vrai, la Cour suprême n'a rien à voir dedans. Mais enfin, il faut être fou. La Cour constitutionnelle est là. Non, mais s'il vous plaît, je n'ai pas fait de débat. Allez lire la Constitution et non, s'il vous plaît, allez lire la Constitution et la loi. Toujours. Ce n'est pas des farfelus qui vont aller parler. Vous avez une Constitution, vous avez une loi organique. Quand on veut connaître, on va lire la Constitution, la loi organique, on dit, lorsqu'il y a, quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. C'est ça notre loi. Ce n'est pas des commentaires, n'importe qui peut faire n'importe commentaire en disant spécialiste. Non. Salut Sam. Toujours dans le registre polémique. Pour concession du port conventionnel en faveur de la société turque Al Bayrak. Cela a provoqué quelques remous. Ma question est toute simple. Pourquoi une telle décision a été prise? Est-ce que vous savez que l'aéroport de Paris va être privatisé? L'aéroport. Okay. Vous avez vu, c'est juste que l'aéroport va être privatisé. Est-ce que ça veut dire que la France, le gouvernement français, bazarde, c'est bien? Je n'ai pas dit même mis en concession, mais j'ai dit privatisé. Bon. L'aéroport de Toulouse est déjà privatisé. Maintenant, l'aéroport de Paris va être privatisé. Est-ce que les Français ont dit que le gouvernement français est en train de bazarder les biens de tout? Bon. Vous étiez là. Vous avez vu comment était le port conteneur, oui ou non? Et c'est une comparaison entre le port conteneur d'aujourd'hui et le conteneur d'hier. Le port était à 9,50 m. Les gros bateaux ne pouvaient pas venir. Les gros bateaux. Aujourd'hui, le port est à 14 mètres. Il y a des portiques et les conteneurs sont déchargés très très rapidement. Ensuite, il y a le port, il y a la construction du port conteneur. Il y a la construction du port minéralier avec Rusal. Pourquoi on n'a pas dit que nous avons vendu le port à Bouloré? Pourquoi on n'a pas dit qu'on a vendu le port à Rusal? Donc il y a déjà trois concessions au port. Ce qui reste, c'est le port autonome. Dernièrement, j'étais obligé de téléphoner à Moscou et à Paris pour que Rusal accepte que le bateau de l'homme d'affaires Kenyoko, le bateau de farine, accoste au port minéralier et que Bouloré accepte que le bateau de riz de Hussein d'Aglara à cause au port conteneur. Parce que les bateaux pouvaient rester deux mois en rade. Pourquoi? Un, le port conteneur, le chenal est à 9,50 m, donc les gros bateaux ne peuvent pas venir. On est obligé de faire le transbordement à Dakar ou à Abidjan pour mettre dans les petits bateaux. Et alors que si on pouvait amener des bateaux de 100 000 tonnes, d'abord, le fret coûterait beaucoup moins cher. Donc, il s'agissait de pouvoir amener le chenal à 14 mètres, qui va permettre à tous les grands bateaux de venir. Deuxièmement, dans tous les pays du monde, le port travaille le jour et la nuit. La Guinée, non. Donc il s'agissait d'abord de faire en sorte qu'il y ait l'éclairage tel que le port puisse travailler 24 heures sur 24. Troisièmement, le port n'a pas assez d'équipement. Lorsque nous avons fait venir une centrale thermique, il a fallu que Bouloré aille louer une grue à Abidjan pour venir se transporter. Donc, il s'agit de faire du port autonome ce qu'on a fait avec le port conteneur, c'est-à-dire permettre à ce port d'être performant. Vous savez que le port de Conakry est plus près de Bamako de 200 km minimum par rapport aux autres ports. Donc, le port de Conakry peut être le port de Bamako, mais aussi bien partie du Burkina, de Bobo-Dioulasso. Mais cela suppose que ce port soit capable de non seulement d'accueillir le gros bateau, mais de décharger rapidement. Parce que tous ces gens sont tenus, on dit, président, il n'y aura plus de farine à Zérecourt. L'homme me disait, président, moi je fais venir le riz, je le vends à perte. Si c'est comme ça, je vais envoyer mon riz au Libéria parce que mon bateau est en rade depuis deux mois. Pourquoi les principaux travailleurs au port, les dockers,
et les gens des remords pour qu'ils soient contents, pour qu'ils défilent. C'est eux les véritables, ce n'est pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils font quoi? C'est-à-dire, ils font l'administration. Mais le port repose sur le docker et sur les gens qui remorquent la capitainerie. C'est ça le port. Les autres, c'est comme vous, on peut vous nommer demain directeur général du port, etc. Ou bien, etc. Donc, ceux qui sont là et qui souffrent de ces inconvénients, ensuite, nous demandons d'adopter au niveau de l'Afrique la zone de libre-échange africaine. Donc, si nous ne donnons pas les moyens d'être performants, nous allons être à la remorque des autres pays. Donc, mais on a dit aussi qu'on a vendu à Bouléré, parce que c'est mon ami, etc. Aujourd'hui, tout le monde est content de voir le port conteneur. Ceux qui ne veulent pas que la Guinée progresse, ou bien ceux qui ont des intérêts dans ce que le port ne marche pas bien, c'est pourquoi nous avons envoyé aujourd'hui des chefs d'État au port. Et parce qu'il faut qu'on voit clair aussi, parce que les gens font du bruit. Moi, honnêtement, cela ne m'impressionne pas. C'est tout ce qui peut faire avancer la Guinée, faire avancer. Quand je suis venu, l'aéroport de Conakry était comme ça. Des gens qui sont venus aujourd'hui ont dit, mais l'aéroport de Conakry a bien changé. Et encore, on va investir plus de 120 millions de dollars pour encore davantage transformer l'aéroport de Conakry. Mais ça, on le fait avec des partenaires comme Africa 50, etc. Donc, si les principaux acteurs du port sont les plus contents parce qu'ils connaissent. Et si les hommes d'affaires, si le port de Conakry coûte plus cher que le port d'Abidjan, le port de Cotonou, alors qu'ils sont plus loin. Avec cette transformation, la capacité d'accueil du port étant transformée, les bateaux resteront moins, ils paieront moins de se restaurer, les gros bateaux pourront venir. Quand vous faites venir un bateau de 10 000 tonnes, ça vous coûte 10 fois plus cher que si vous faites venir un bateau de 50 000 tonnes. Enfin, ça veut dire que vous faites venir 5 bateaux bien à la place d'un. Bien sûr. Bien là sûr. Aussi, le débat, c'est sur la procédure, si vous permettez, Monsieur le Président. Parce vos opposants vous reprochent, c'est le fait que Al-Bayrak ait été choisi sans consultation, sans appel d'offres. Ce n'est pas vrai. D'abord, on n'a pas. Vous savez, le problème, on est dans une situation où réellement, il faut transformer le port. Nous avons discuté avec beaucoup de gens. Les seuls qui étaient prêts, à la demande de leur président, quand Erdogan est venu ici, il a dit qu'on a créé, c'est pas une ville. Il a dit que la Turquie va accompagner. C'est lui qui a demandé au tout le monde d'aller investir en Guinée dans plusieurs domaines. Non seulement ça, mais le métro, le bus, etc., dans beaucoup d'autres secteurs. Donc, nous avons là-bas d'amis à notre distribution deux spécialistes. Nous-mêmes, on a fait venir deux spécialistes. Ensuite, on a pris un cabinet. La négociation avec Al-Bayrak a duré 9 mois. Ce n'est pas vrai qu'on n'ait pas fait de la peur. Ce n'est pas ça la raison. C'est que tout simplement, comme l'action contre l'augmentation de carburant a échoué, il fallait prendre ce prétexte-là. Ils savent très bien. Et ensuite, par exemple, je prends l'énergie solaire. La Banque mondiale dit qu'il faut faire l'appel d'offres. Mais la pression du dossier va prendre 2 ans. Ils ont besoin de courant. On a discuté et on est tombé d'accord sur une base. Bon, pour tel, voilà. Et si les gens acceptent le prix, par exemple, pour l'INSAM, si les gens acceptent que le kilowattheure soit à 8 cents, vous signez. Ça, c'est la Banque mondiale. Et nous avons été accompagnés par Africa 50, ensuite par la Commission économique africaine d'Addis Abeba. Donc, si nous attendions que la Banque mondiale finisse les études, ça va mettre 2 ans, quand est-ce qu'on va faire de l'énergie solaire? Par contre, on dit ça avec nous avons vu, en voyant le prix de l'énergie solaire, là où il y a eu des appels d'offres, si les gens, pour tel, par exemple, l'INSA acceptait le prix, ça va être différent pour faire de l'énergie solaire à Cancan ou à Zélecoré, comme il y aura des problèmes de lignes de transmission, évidemment, les conditions sont différentes. Mais en accord avec la Banque mondiale, Africa 50 et autres, ils disent, bon, dans tel cas, si vous pouvez obtenir tel prix, alors sinon on a signé des MEU plus près de 2000 MW pour l'énergie solaire. Donc on dit à tout le monde, les MEU qu'on a signés, on n'en tient pas compte parce que maintenant, il faut qu'on voit la concurrence, c'est-à-dire on va vous mettre ceux qui voulaient faire de l'énergie solaire à Cancan, ok, pour nous, si vous pouvez le faire au maximum à 10 cents, ok. Maintenant, si vous pouvez faire à 10 cents, ils proposent, on fait avec eux. Comme à l'instant, on dit si vous pouvez faire à 8 cents. Donc, c'est un faux débat. Alors, revenons à vous-même maintenant. 40 ans d'opposition, près de 8 ans au pouvoir. À plus de 80 ans, vous semblez inusable. La question légitime qu'on se pose est celle-là. Qu'est-ce qui fait courir Alpha Condé? Si pendant 40 ans, je vous fais remarquer que tous mes amis ont été premier ministre et président de l'Assemblée. Issoufou, qui est mon ami, a été premier ministre et président de l'Assemblée. Ibeka a été premier ministre et président de l'Assemblée. Rock a été premier ministre et président de l'Assemblée. Mike a été premier ministre et président de l'Assemblée.
moi, pendant 40 ans, j'ai refusé toute participation à la gestion. Parce que j'estimais que la vision que j'ai du développement de la Guinée, ce que je veux de la Guinée, ne peut pas me permettre dans cette gestion. C'est pourquoi je n'ai jamais accepté de participer à un gouvernement. Hein? Donc, parce que j'avais une ambition pour mon pays. Et je suis certain que ce pays est capable d'être au rendez-vous de cette ambition. Il suffit seulement qu'on ait l'ambition, qu'on ait l'amour de son pays. C'est tout. Bon, je pense que si les gens estiment que je me fatigue pas du souris, il faut poser la question au bon Dieu. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut poser la question au bon Dieu. Pourquoi, quand je sors avec Sam, qui a l'âge de mon fils, on va marcher, on va se fatiguer avant moi. Il faut poser la question au bon Dieu. Dieu merci alors. Mafrin. Oui, monsieur le Président, vous avez dit il y a quelques jours que vous allez vous adresser à votre population, que vous avez un message. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Mais où j'ai dit ça, madame? J'ai dit ça. Sur les chaînes étrangères, vous avez dit que vous avez un message à faire passer. J'ai dit que je vais renforcer l'emploi jeune. Je n'ai pas dit que j'ai dit, à partir de ton mois, lancer une grande campagne. Enfin, reprenez mon discours. Mm-hmm. Je me suis déjà adressé à la population le 1er octobre. J'ai dit qu'on va lancer à partir d'octobre l'emploi jeune. Je vais m'adresser à la jeunesse pour vous montrer comment on va lancer l'emploi jeune. C'est ce que j'ai dit, madame. D'accord, monsieur le Président. Il est toujours bien d'entendre son président. Aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer à cette population pour la rassurer, cette population qui s'impatiente, monsieur le Président? Non. Écoutez, c'est vous qui dites que la population s'impatiente parce que c'est vrai que les peuples n'ont pas de mémoire. Moi, je me rappelle d'ici, on pouvait rester 3 mois sans courant. Quand le courant vient, les enfants, TFA, TFA, TFA. Aujourd'hui, il y a coupé 2 jours pour commencer à jeter des pierres. Bon, moi, je pense que le peuple de Guinée est raisonnable. Moi, je vais dans les campagnes, je vais partout. Mais j'écoute les populations. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Il ne faut pas confondre une petite minorité qui s'agite parce qu'ils ont mal géré le pays et maintenant ils veulent empêcher que le pays avance. Il ne faut pas confondre le peuple avec cette... Moi, j'ai fait il y a deux ans, j'ai fait la moitié des sous-préfectures. Je vais faire encore des sous-préfectures. J'étais partout. J'ai même été dans les villages où même le préfet ne va pas. Donc j'ai écouté la population. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas ce que pense un pays en Paysan qu'on a créé. Ils vont juste faire des tournées. Moi, je vais, je reste avec la population. Comme a dit un leader, vivre avec, manger avec, dormir avec. C'est ça qui permet de connaître le peuple et de connaître les préoccupations du peuple. Donc je ne m'attends pas que l'équipe qui cache. Non. Justement. Les gens sont venus ici. Le 2 octobre a montré ce qu'est la forêt par rapport à l'arbre. Mais évidemment, comme les journalistes guinéens ne font pas leur travail, ce ne sont pas des journalistes d'investigation, bon, voilà. C'est des journalistes qui s'assoient pour raconter n'importe quoi, sans information. Quand quelqu'un dit sur RFI, il est parti parce qu'il ne s'entend pas avec le président, n'importe quel journaliste intelligent, en tout cas fait son travail, aurait pris la condition et la loi organique pour savoir est-ce que le président peut jouer un rôle au niveau de la Cour constitutionnelle, au lieu de me dire les juristes. Mais j'entends des gens ici, j'ai oublié un de vos grands juristes qui a dit le président ne peut pas avoir un conseiller qui n'est pas guinéen. Mais c'est une tendance. On ne peut pas avoir un conseiller qui n'est pas guinéen. C'est là un fonds conseiller, n'est pas un fonctionnaire. Si c'est ça, vous spécialistes, merci. Diallo. Un mot, monsieur le Président, sur l'actualité politique. En ce moment, on est en train d'installer les conseils communaux et leur exécutif, 7-8 mois après les communales du 4 février. Ça se passe dans un certain désordre. Et il y a quelques tensions aussi qu'on enregistre, notamment à Kindia et à Agbeyasso, et ça vous en êtes au courant. Et pourquoi la Guinée a pris autant de retard? Comment vous expliquez ça? Il faut demander les communales, c'est l'affaire des partis politiques, c'est pas l'affaire du président. Les communales, c'est les partis politiques qui ont été, c'est pas une élection présidentielle. Donc il faut demander aux partis politiques. Ils ont fait des accords. Il faut demander aux partis politiques d'appliquer les accords, que chacun applique les accords. Ça, c'est nous de poser la question aux partis politiques. Merci, monsieur le Président. Pour finir, je m'en voudrais vraiment de ne pas partager cette confidence en préparant cette émission. Nous avons essayé de tendre les oreilles auprès de certaines couches de la population, voir leur appréciation. Rassurez-vous que c'était vraiment impressionnant en termes de commentaires, malheureusement, qu'on ne peut pas vous projeter. Mais il y a un aspect qui est revenu au moins deux fois, un professeur mais aussi une fille de 10 ans qui a dit demandez à monsieur le président pourquoi il a du mal à mettre de l'ordre en Guinée en dépit de tous ses efforts de construction. On a l'électricité, on a ceci, pourquoi il a du mal à mettre l'ordre? Parce que les Guinéens sont habitués à des pouvoirs forts
Moi, je me suis battu pour la démocratie pendant 40 ans. Je n'ai pas utilisé la violence contre les gens. On dit que le président a peur des manifestations. Je n'ai pas peur des manifestations, mais je sais que les opposants eux-mêmes blessent les gens, tirent les gens pour discréditer le gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit aux gendarmes politiques de faire attention et de leur donner les moyens de pouvoir faire une façon civilisée. Donc il fallait donner les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir gérer les manifestations de façon civilisée. Parce que nous savons très bien que beaucoup d'opposants tirent sur les gens pour qu'il y ait des morts, qu'on mette ça sur le dos des forces de l'ordre. La démocratie a ses obligations. On me dit souvent, non, sous compte, on ne pouvait pas faire ça. Mais moi, je me suis opposé à la façon dont la Guinée était gérée sous le président premier président comme le deuxième président, parce que j'estimais qu'il fallait laisser les gens s'exprimer. Donc la démocratie a ses obligations. Bien sûr, avec le retard de nos pays, c'est extrêmement difficile de faire avancer des pays s'il y a la pagaille. Mais je pense que progressivement, les gens comprendront qu'on ne peut pas faire la démocratie en Guinée, en Afrique, comme en France ou aux États-Unis, parce que ces pays ont atteint un certain niveau de développement. Donc le développement a besoin aussi d'une certaine autorité, d'une certaine main. Progressivement, au fur et à mesure de la population, on comprend, c'est lorsque le grand problème, c'est que nous ne communiquons pas. Je suis certain que si nous communiquons, c'est la population même qui va suivre et demander au gouvernement d'être extrêmement plus ferme. Mais ça, il faut l'éducation populaire, il faut que les populations qui sont analphabètes comprennent. Parce que c'est lorsque la grande majorité des populations comprennent qu'on peut agir. Sinon, moi, je ne vais pas agir sans que l'opinion comprenne. Donc, maintenant, nous allons faire un effort pédagogique. Vous voyez, tous les gens qui sont venus sont surpris. Il y a même un président qui est très respecté. Il a dit, ton pays va plus vite que mon pays. Parce qu'ils étaient venus ici en 2011, ils sont venus ici aujourd'hui. Tous les gens qui sont venus ici en 2011, qui sont venus aujourd'hui, sont surpris. Demandez à vos collègues journalistes de d'autres pays qui sont venus. Maintenant, il revient à nous de mieux communiquer, et de mieux communiquer surtout avec les couches les plus vulnérables, les jeunes et les femmes, et la grande majorité des populations qui sont analphabètes, pour qu'ils comprennent et ne se laissent pas manipuler. Il ne reste plus qu'à dire grand merci à M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Merci à toutes les équipes techniques de la RTG, mais aussi du bureau de presse de la présidence. Merci à M. le ministre de l'Information et de la Communication qui nous a aidés à faciliter la réalisation de cette émission. Une fois encore, merci Guinée Actu, perspective économique demain la Guinée. Nous avons été très honorés, M. le Président, de pouvoir réaliser ce travail-là avec vous. Merci. Merci. Merci à tous.